On va donc parler aujourd'hui de l'Arc Vision, un casque entièrement virtuel avec une possibilité de vision de loin, de près, de l'OCR sur vos yeux. Aujourd'hui, c'est faisable avec l'Arc Vision. Vous allez pouvoir faire du zoom, dézoomer, lire. Vos mains vont être complètement libres et vous allez pouvoir lire tranquillement, regarder la télé, grossir, peut-être, pourquoi pas, reconnaître certains visages. C'est parti donc pour cette vidéo. Côté packaging, l'Arc Vision est donc livré dans une sacoche très légère et avec cette sacoche, vous allez trouver deux poches de chaque côté. À droite comme à gauche, on va trouver donc dans ces poches deux câbles. Un casque audio pour connecter votre casque étant donné que l'Arc Vision est équipé de synthèse vocale et un câble de rechargement qui sera donc de type A vers USB-C pour recharger votre appareil. On va remettre tout ça. La prise murale est une prise qui va être recharge rapide, 15 watts, 20 watts, accessible sans problème. Et tout au bout, vous allez rencontrer donc une connectique aimantée qui rechargera votre Arc Vision sans problème. Rangeons tout ça et ouvrons cette sacoche. Vous avez donc à l'intérieur toutes les notices avec les mots-clés au niveau de la reconnaissance vocale. Et on va donc sortir l'Arc Vision, le casque à réalité virtuelle. Ici, vous avez donc face à vous l'Arc Vision, le devant, avec ses aérations, avec l'ouverture pour l'haut-parleur. Et on va donc voir ensemble sur le dessus les différents boutons qui s'y trouvent. Sur le dessus, vous allez trouver donc trois boutons. Ces trois boutons vont vous permettre de gérer votre Arc Vision. Lorsque vous le portez, ces boutons se trouvent sur le côté gauche. Vous allez avoir, à partant de la droite, le bouton 1, le bouton 2 et le bouton 3. Ces boutons peuvent être gérés différemment et ont des fonctions différentes. L'Arc Vision est un casque virtuel qui se porte sur les yeux et vous allez donc avoir une vraie vidéo loupe devant vos yeux. La lentille, le devant de l'Arc Vision a été refabriqué pour une meilleure visualisation. Et sur le côté droit, vous allez trouver l'endroit où vous allez pouvoir charger votre Arc Vision. Alors, il y a différentes vis dessous et dessus si vous désirez retirer le téléphone de l'Arc Vision, mais à ne jamais faire, laissez faire plutôt le fabricant. Alors, lorsque vous posez votre casque virtuel devant vous, sans le mettre sur votre visage, sur la droite, vous allez donc rencontrer les différents boutons qui sont au nombre de 3. Le premier en partant de la gauche sera donc le bouton marche arrêt ou le bouton de déverrouillage de l'Arc Vision. Au centre, un double appui lancera la reconnaissance vocale. Le bouton 3 servira, lui, à numériser, à lancer une photo et à vous lire le texte automatiquement. Si vous laissez poser sur ce bouton, vous allez pouvoir jouer sur le zoom avant. Si vous faites un appui sur le bouton 2 prolongé, vous allez dézoomer. Double tape sur le bouton 2, vous allez lancer la reconnaissance vocale. Double tape sur le bouton 3, vous allez donc prendre une photo. Combinaison de touches. Si vous appuyez sur le bouton 1 et le bouton 3, vous allez donc activer le système de volume de votre Arc Vision et vous allez pouvoir augmenter ou diminuer le volume. Lorsque vous avez fini votre paramétrage, au bout de 3 secondes, il se remettra sur l'Arc Vision classique. Le temps de recharge de l'Arc Vision est d'à peu près 3 heures et son temps d'utilisation continue est d'un peu plus de 3 heures. D'ailleurs, si vous faites l'acquisition d'un Arc Vision, laissez-le plutôt allumé et laissez-le charger en permanence si vous en avez une utilisation constante. Un simple appui sur le bouton 1 lancera votre Arc Vision. Exemple ici. Arc Vision en fonction. Arc Vision mis en veille. Lancera votre Arc Vision. Si vous l'avez complètement éteint, il faudra donc faire un appui long sur ce bouton jusqu'à ce que l'Arc Vision s'allume. Si je fais un double tap sur le bouton du milieu, donc le bouton 2, batterie. Batterie, 90%. Alors, la reconnaissance vocale est embarquée.
il n'y a aucun besoin que votre Arc Vision soit connecté à Internet. Ici, on peut lui demander plus grand. Plus grand. Je n'ai pas compris. Lorsque votre Arc Vision ne vous a pas compris, il vous délivre ce message. Côté reconnaissance vocale, c'est plus grand, plus petit, lumière allumée, lumière éteinte. Exemple ici. Lumière allumée. Lumière allumée. Lumière éteinte. Lumière éteinte. On peut donc allumer le flash, éteindre le flash, vocalement, sans problème. En fait, l'Arc Vision est entièrement gérable via la reconnaissance vocale. Texte, si vous voulez numériser un texte, par exemple ici. Voilà, donc lorsqu'on dit le mot clé texte, votre appareil numérise automatiquement le texte que vous avez face à vous et l'Arc Vision vous le lit. Pas besoin d'utiliser la reconnaissance vocale, vous pouvez aussi, sur la touche 3, faire un double appui. Une fois la numérisation faite, l'Arc Vision vous lit automatiquement le texte. L'Arc Vision est un casque virtuel très léger. Vous pouvez vous en servir par exemple pour faire de la reconnaissance de texte, pour regarder éventuellement la télé à une certaine distance, reconnaître des visages. L'Arc Vision est fait en général pour les personnes malvoyantes ayant encore un résidu visuel. La possibilité de libérer vos mains, c'est-à-dire pouvoir continuer à bricoler, à remplir vos chèques par exemple, puisque une fois le casque mis sur vos yeux, vous pouvez donc écrire, lire, reconnaître peut-être des visages suivant votre instant visuel. On va passer maintenant à la réalité et voir comment ça se passe lorsqu'on porte l'Arc Vision et comment on peut lire du texte. Voilà, donc, c'est parti. Imaginez-vous avoir votre Arc Vision en action. Alors, vous voulez par exemple regarder la télé. Lorsqu'on avait l'Arc Vision devant soi posé sur une table, le bouton se trouvait à gauche. Lorsque vous le portez sur vous, la série de boutons va se trouver donc sur le côté gauche et le premier bouton marche arrêt se trouvera complètement à droite. Au milieu, on aura donc notre bouton de reconnaissance vocale. Et à gauche, le premier bouton à gauche, on aura donc le bouton pour faire de la reconnaissance de texte. Si j'allume mon Arc Vision. Arc Vision en fonction. Alors, ce qui est ici appréciable, c'est que par exemple, en mettant ma feuille face à moi, soit j'appuie sur le premier bouton complètement à gauche, écoutez ce qui se passe. Utilisez le cordon aimanté et le chargeur fourni. Le cordon est à introduire sur le côté de l'arbre. Lunette, voire figure ci-dessus. Le temps de charge est de 3 heures. Le temps d'utilisation de Arc Vision est de 3 heures environ. Un signal sonore vous prévient que l'appareil se charge lorsque celui-ci est en veille, mais si est complètement éteint, il n'y aura qu'un fond noir à l'écran avec un cercle indiquant que l'appareil est en chargement. L'Arc Vision ne s'arrête pas, il se met en veille, il s'arrête seulement s'il n'a plus de batterie ou si l'on a fait une extinction complète. Réglage. Modifier le volume de la voix. Appuyez simultanément sur le bouton 3 puis 2 en commençant par le bouton 3, une annonce. Vocal vous signalera que vous êtes en mode volume. Appuyez sur le bouton volume plus pour augmenter le son. Appuyez sur le bouton volume pour diminuer le son. Après votre réglage, attendez 3 secondes et vous repassez en mode zoom. Grossissement, restez appuyé sur le bouton 3 pour grossir, relâchez le bouton 3 quand le grossissement vous convient. Restez appuyé sur le bouton 2 pour diminuer le grossissement, relâchez le bouton 2 quand le grossissement vous convient. On peut donc, si on le désire, allumer notre lampe. Donc c'est lumière allumée. Pour ici avoir une meilleure visualisation du document. Je peux simplement zoomer en faisant un appui long sur le premier bouton, donc sur le bouton 3, le premier bouton en haut à gauche. Ça reste silencieux et je peux grossir si je le désire. Je peux changer de couleur du document simplement en lui demandant couleur. Couleur.
et mon document change de couleur en inverse et en noir sur blanc. Couleur. Couleur. Et on revient donc en mode normal. Un des gros avantages aussi avec l'Arc Vision, c'est que pour les personnes malvoyantes, suivant leur déficience visuelle, on va pouvoir par exemple reprendre l'écriture, puisque on va prendre une feuille ici comme ceci, et on va pouvoir zoomer tout simplement l'endroit où on a besoin d'écrire. Par exemple ici, pour mon cas, c'est assez compliqué. Donc par exemple pour mon cas ici, c'est compliqué parce que je vois pas grand chose, mais je pourrais simplement en faisant du zoom écrire ici comme je le désirais, par exemple, voilà. Donc l'avantage, c'est que pour une personne malvoyante, l'Arc Vision peut lui donner la possibilité de re-remplir des cases, de re-remplir des chèques, etc. Mais là, tout dépendra de son degré de vision par rapport à chaque individu. Cet avantage là aussi, c'est que on peut de loin, par exemple, suivant là aussi, regarder la télé, avoir de nouveau accès au visage, et ça va dépendre aussi du degré de vision. Donc, pas mal d'avantages à l'intérieur, et d'ailleurs, côté OCR, tout est embarqué. L'Arc Vision n'a en aucun cas besoin d'être connecté sur Internet pour fonctionner. Et ça, c'est l'un de ses gros avantages aussi. Voilà, je vais essayer de vous faire montrer l'intérieur du casque, comment ça se passe. On va donc s'immerger dans l'Arc Vision. Ici, je vous ai mis donc, qu'est-ce qu'on voit dans cet Arc Vision? Alors, ce qui peut être vraiment génial, c'est que pour les personnes qui veulent revoir le paysage à l'extérieur, avec l'Arc Vision, ça va être possible. Par exemple, ici, on va lui demander plus grand. Plus grand. Alors, je vous immerge dans une seule cellule. Plus grand. Plus grand. Plus petit. Plus grand. Alors, regardez si je vais sur cette cime d'arbre. Plus grand. Plus grand. Alors ça grossit vraiment pas mal du tout. Voilà, donc avec l'Arc Vision, certaines personnes malvoyantes vont pouvoir en fait s'apercevoir du paysage qui les entoure, revivre peut-être pour certaines personnes, ça va peut-être pouvoir leur faire revivre certaines choses. Voilà, donc le Arc Vision peut être utile. Plus petit. Plus petit. Voilà donc pour cette vidéo sur l'Arc Vision, ce casque à réalité virtuelle pour personnes malvoyantes. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêt à tester ce genre de casque pour voir si quelque chose peut vous aider tout au long de votre quotidien? Surtout, n'hésitez pas donc à partager, à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description où vous allez pouvoir trouver l'Arc Vision. Alors c'est un appareil qui est assez onéreux. Et surtout, vous allez pouvoir le tester en faisant la demande auprès de la société Cecia, CECIAA.com. Vous allez pouvoir demander un prêt de ce casque pour voir si ce casque peut vous aider tout au long de votre journée. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.